Gaspard Proust est un personnage à part entière, diplômé d'HEC Lausanne. Il s'est occupé de gérer les fortunes de quelques grandes familles bourgeoises, mais c'est l'écriture qui le passionne, et plus particulièrement l'humour des mots, repris dans des contextes différents, voire inappropriés au style des phrases. Laurent Ruquier ne s'est pas trompé, puisque notre humoriste participe à l'émission On va gêner sur Europe 1. Après ses spectacles à guichet fermé sur Paris, il s'est lancé dans le cinéma avant une tournée provinciale. À ce sujet, il nous parle de son rôle dans le dernier film de Frédéric Becbédé. Je suis avec Gaspard Proust, héros de L'amour dure 3 ans. Est-ce que Gaspard, tu peux nous parler de ton personnage ? Alors c'est un écrivain qui a trouvé l'idéal avec une femme mannequin, très belle, mais avec qui commence à s'ennuyer assez rapidement, enfin 3 ans, enfin on ne connaît pas en fait le début, on ne sait pas combien de temps il s'ennuie avec elle, puis il la quitte, il se dit que l'amour n'existe plus, et c'est au moment où on se dit ça généralement que ça arrive. Et là il rencontre Alice. Et après c'est une... Et après, c'est le film, quoi. Après, il faut juste aller le voir et se dire qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est assez... C'était passionnant d'être dans ce rôle-là d'un type qui quitte un mannequin pour aller vers un autre mannequin, qui paye jamais de factures, ça n'existe pas, où tout est un peu joli. C'est... Voilà, c'était relax, quoi. Son seul problème, c'est qu'il vend un livre trop bien. Voilà. Le personnage de Marc Maronnier, c'est un peu le héros de Frédéric Becbédé. Qu'est-ce que ça fait de l'interpréter ? Ah, rien, c'est un personnage comme un autre. Souvent les gens disent oui, ce qui m'intéressait dans ce personnage-là, ce qui m'a aussi intéressé, moi, c'est que c'était pas forcément quelqu'un de très intéressant, parce qu'il a pas de vrais problèmes en réalité. Hein. Je veux dire, il écrit, il vend des trucs, il quitte des belles femmes, machin. Donc je me suis dit, on va essayer de le sauver un peu, le rend peut-être moins... Je sais pas comment dire. Enfin, il restait à inventer parce que pour moi, c'est pas forcément Frédéric. C'est vraiment un mix entre moi, Frédéric. Enfin, chacun a pris un peu, tout en gardant la ligne de la comédie romantique, quoi. Ce qui m'amusait aussi beaucoup parce que moi, j'ai plutôt des spectacles assez cyniques, etc. Et je trouvais ça un peu pervers d'aller me mettre dans la peau d'un type très petit poussin qui tombe de son nid. Il y avait un petit sadisme là-dedans de faire ça. Voilà. Comment tu as rencontré Frédéric Becbédé ? Alors c'est Frédéric qui est venu à mon spectacle en payant sa place très gentiment, ce qui m'avait beaucoup flatté. Non, c'était à la Cigale, c'était déjà un moment où ça marchait bien. Et voilà, on est venu, on m'a proposé ça, moi j'avais jamais fait de cinéma. On m'a dit tu veux faire du cinéma ? Je dis je ne sais pas, j'en ai jamais fait, il faudrait que j'en fasse pour savoir si je veux en faire. Et du coup... J'ai lu l'histoire et il y a ce petit truc, je dis oh c'est mignon, puis en plus c'est mignon tout ça, c'est mignon, c'est très peu cynique, je dis on va voir si je vais arriver à être crédible là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. C'était par curiosité personnelle, par expérience, parce qu'un tournage quand même c'est 30-35 jours avec des gens, moi je suis habitué à être très seul, tout d'un coup on est entouré. Je trouve ça curieux, est-ce que ça va pas être pénible, hein, parce que moi ça me saoule très vite d'être entouré de plein de gens. Donc il y avait un vrai défi là-dedans. De se connaître, c'était très égoïste comme démarche, évidemment. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ? Ça se discute, ça... On va voir peut-être. Après je sais que c'est un film qui va poser un jalon, donc... Je vois déjà quoi, le téléphone qui va sonner tout le temps... Ça m'agace déjà à l'avance. Quoi. Donc continuer les spectacles et le cinéma. Ah là, c'est vraiment les spectacles. Ce qui arrive, c'est plus les spectacles. Puis maintenant, je suis curieux aussi de voir comment ce film sera reçu. Qu'est-ce que les gens vont voir. Ils sont habitués à un certain Gaspard Proust. Ça me... Ouais, je suis curieux de ça. Après, on verra. Ensuite, c'est pas une nécessité absolue de faire du... On verra. Écoute, nous en tout cas, on a beaucoup aimé, donc merci pour l'interview.